Mako vient du Banks. Mako vient du Banks, Mako vient du Banks, Mako vient du Banks, yeah yeah. Yo 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 YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovella, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons réagir à l'artiste nommé Joker. Est-ce que je peux prononcer son nom comme le Joker? Tu sais, le méchant de Batman, tu vois? Mais avec l'accent anglais, Joker. Je peux le faire ou pas? Vous m'autorisez ou pas? Oui, donc j'ai découvert Joker à travers un featuring. Par contre, je me rappelle plus si c'était un featuring avec Nekfeu ou un autre artiste, tu vois. Le truc, c'est que c'était lorsque je faisais la réaction d'un album. Et j'avais kiffé la vibe de Joker. Ou bien peut-être que c'était avec Laylo. C'est possible que ce soit avec Laylo. Ouais. Et j'avais kiffé sa vibe. Et en fait, quand les gens ont vu que j'avais kiffé la vibe de Joker, ils m'ont demandé de faire plus de réactions de cet artiste durant l'un de mes lives. Et franchement, j'étais vraiment agréablement surpris par la qualité de musique de cet artiste. Et donc, par conséquent, on m'a demandé, on me l'a proposé sur le Discord, parce que voilà, sur le Discord, il y a des salons pour albums, pour sons et compagnie. Et cette chanson a reçu pas mal de votes. Donc, je l'ai mise sur le sondage sur Patreon, mais il n'y a pas eu assez de votes pour cette chanson, parce que, bon, je suppose qu'il y avait d'autres propositions plus intéressantes dans ce sondage-là. Et donc, je me suis dit pourquoi pas en faire une réaction durant un autre live. Donc, le jour du live, je comptais vraiment faire la réaction de cette chanson et en même temps prendre les super chats des gens et faire d'autres réactions à côté, tu vois. Mais c'était durant le Ramadan et puis bon, durant le Ramadan, on n'a pas des tonnes d'énergie. Donc, j'avais fait 2 heures de live et je commençais vraiment à fatiguer et donc j'ai décidé de la mettre de côté. Et après, bon, bah aujourd'hui, je me suis dit, bon, bah puisque j'ai pas réussi à la faire en live, on va en faire une réaction officielle sur YouTube en espérant qu'elle ne soit pas bloquée. Voilà. Avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'ai même pas encore prononcé le nom de la chanson. On va réagir à Joker Las Vegas, ok? Las Vegas, baby. What happens in Vegas stays in Vegas. Et bien sûr, je dois remercier du fond du cœur mes validés pour leur soutien incroyable. Je vous en suis très, 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 très reconnaissant. Voilà. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. Ok, donc ils sont à Las Vegas, ça c'est sûr. Ah voilà. J'aime bien la vibe déjà dès l'introduction là. C'est un côté très Tron, comme le film Tron. C'est un côté très Daft Punk, tu vois, genre un peu 80s. Et si je suis en train de skipper, c'est pour éviter que la chanson ne soit bloquée sur ma chaîne, ok? Moi, je suis fan, en fait, de la musique des 80s, où ils utilisaient beaucoup de leads, et puis ça donnait un effet un peu futuriste, tu vois, un peu à la Daft Punk et tout. Moi, je suis grave fan de ça. Et la musique du film Tron, qui a été lancé dans les années 2000, là, entre 2000 et 2010, je crois hein, que c'était ça, j'ai trop kiffé. Genre, le film, il n'est pas exceptionnel, mais les graphismes futuristiques avec la musique des Daft Punk et tout là, c'est juste épique, vraiment, c'est épique. Voilà, Baby Marionou à Las Vegas. Je sais pas si vous avez regardé l'épisode de Friends, là où Ross et comment ça s'appelle, Rachel, se marient à Las Vegas parce qu'ils étaient complètement sous là. Beaucoup de gens vont à Las Vegas pour se marier, tu vois. Comme ça, ils évitent tout ce qu'il y a à voir avec le gros mariage pour inviter les gens et tout là, la fête quoi. Normal que les billets pleuvent, je suis dans le strip. Tu vois, ça ne m'étonne pas que Laylo et Joker travaillent ensemble. Je trouve qu'ils ont une vibe assez similaire, en fait. Contre moi, mes ennemis conspirent, ton corps m'inspire, mais ta valise. Yo,
yo, son corps m'inspire aussi. Elle a un corps de malade, yo. Damn, qui a fait ça? Qui a sauté d'un avion, man? Man. Oh my god. Perso, je sais pas si je pourrais tenter ça, man. Ça fait juste trop peur. Elle est... Attends, c'est lui qui est petit de taille ou c'est quoi la blague là? Elle est plus grande que lui de taille là. Bon, il se pourrait aussi qu'elle porte des talons de ouf. Hé hey, mon frère, la meuf est fraîche. Ouf. Ouais, je pense qu'elle est plus grande que lui de taille, man. Oh, la transition est fraîche. Tu vois, le clip, je le trouve plutôt cool, même s'il est fait en indépendant. Ça se voit qu'ils n'ont pas un budget de ouf, là, tu vois. Ils ont pris quoi? Deux caméras, peut-être, et un drone, tu vois. Mais c'est quand même bien foutu, parce qu'en fait, l'édition du clip est super intéressante. Comme dans la caisse. Vas-y, on se casse. Et elle a sa place dans un film Tron. Je suis désolé, mais la vibe, elle est trop stylée. À Las Vegas. Nous à Las Vegas. Oh, et elle a un boule de malade aussi, man. Ah, un 2 en 1. C'est probablement pourquoi la chanson fait... Enfin, la vidéo fait 6 minutes. Une cloche, tranquille. Tu glaces sur le filtre de mon joint. Sur mon t-shirt du Fanta. Et en plus, il chuchote un petit peu comme Laylo. Mago vient du Banks. Mago vient du Banks. Yo, je suis intéressé par cet album là. Yes, je suppose que mes validés ont déjà dû mettre son album sur Discord. Si c'est pas fait, ben mettez-le et votez pour. Comme ça, j'en fais une réaction parce que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le négro vient du Jax. Et l'ago vient du Banks. Yo, mais c'est comment avec ces grills là? En plus, c'est pas genre sur toutes ses dents. Il met les grills juste ici là, juste devant pour que les gens voient ça. Ces faux sons qui font dos quand ma langue se promène sur ses os. Elle est mignonne en survêt, elle est bonne en nuisette, elle est belle en ballement. Ma main fait chaud jour et nuit. Tu glisses sur mon joint. Sur mon t-shirt du fond de teint. Yo, la vibe est terrible. Mais ce qui me dérange, enfin, c'est pas que ça me dérange, hein, bien sa manière de chantonner. Mais je me demande si sur l'original, il rappe. Il rappe vraiment, parce que je trouve que cet instru se prête à du rap réel. Genre, sans autotune, tu rappes. Genre un gars comme Logic, ou un autre gars comme même Eminem, ou Joyner Lucas, mais il déchirerait cet instru-là, man. Ah, Mago vient du Banks. Mago vient du Banks, Mago vient du Banks, Mago vient du Banks, yeah, yeah. Ah, Mago vient du Banks. Mago vient du Banks. Je valide très très fort. Alors là, mais vraiment, parce que non seulement la première chanson est excellente, vraiment, parce que moi je suis fan, très très gros fan de la musique avec les leads et tout là des 80s, tu vois, la Daft Punk et tout là, je valide. Ou bien, comment il s'appelle, Kavinsky? Je sais plus, c'est un français aussi, je crois, Kavinsky là, qui tue, c'est ce style là. C'est pas du rap, mais il utilise des sonorités vraiment à la 80s, à la Daft Punk avec les leads et tout là, et les basses, les anciennes basses là et tout là. Donc, première chanson, je valide, une vibe très stylée, très, très chill. Et la deuxième chanson aussi, purée, la deuxième chanson est fraîche, mon gars, elle est plus hip-hop, je trouve, la deuxième chanson. Et c'est pour ça que je me dis, mais il devrait rapper dessus, genre, clairement. Donc, voilà, voilà, le clip, j'ai trouvé sympa, tu vois, voilà, il est parti à Las Vegas, je sais pas si il l'a effectivement fait. Si ça, c'est effectivement la fille qu'il a épousée, aucune idée. Vous savez sûrement mieux que moi. Mais voilà, il a quand même réussi à tourner un clip correct sans avoir à dépenser trop d'argent, tu vois. Et mine de rien, il a quand même 18 millions de vues sur ça. Donc bravo, Joker, t'as fait le taf correctement, quoi.
Voilà les amis, maintenant c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du son de Joker Las Vegas. Ok, est-ce que vous êtes déjà allé à Las Vegas aussi? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et merci de m'avoir rejoint comme d'habitude, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Prenez soin de vous, Sahaf Torkom, passez une excellente journée, stay safe et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment?